Bonjour, chers apprenants. Je suis M. Aristide Lebongui, professeur de philosophie. Et je suis une fois de plus très heureux d'être avec vous en ce jour pour accompagner pour continuer notre voyage de pensée. Alors, chers apprenants, avant tout, J'aimerais d'abord vous raconter une petite histoire. Mais l'histoire de ce jour concerne ce que vous et nous, nous avons tous appris à l'école primaire. Parce qu'en venant ici, j'étais en train de penser et quand je suis à bord de mon véhicule, Lorsque je regardais vers l'extérieur, je constatais que la nature défilait. Alors, voici ce que nous avons tous appris à l'école primaire. Comme ton pasteur, dont la vie ne fait du mal à personne, car la vie est en perpétuel devenir. L'homme à qui tu fais du mal au jour d'aujourd'hui, pourrait se retrouver sur ton chemin le jour d'après. Chers apprenants, apparemment, c'est un fait banal, mais j'aimerais vous dire que ce que nous avons étudié à l'école primaire, cette récitation est pleine de sens. Pourquoi Parce que le monde évolue, nos pensées évoluent, et l'homme n'est pas toujours le même. Donc, aussi longtemps que nous vivons, nous sommes soumis à la loi de la dialectique. Tout un mouvement, tout un changement. Et le changement ne doit pas s'opérer seulement au niveau de notre organisme, mais le changement doit aussi se faire sentir au niveau de notre manière de voir les choses j'allais dire, au niveau de la pensée. Alors, cela dit, chers apprenants, aujourd'hui, nous allons continuer le cours que nous avons amorcé sur la logique dialectique. Et nous parlerons de la critique des principes de la logique formelle. Mais bien avant, Chers apprenants, si on ne sait pas là où on va, on risque d'aller ailleurs. Nous allons définir l'objectif de ce cours et avec vous, nous allons signer un contrat. Si à la fin, vous constatez que vous n'êtes pas en mesure d'expliquer cette séquence, cela signifie que vous n'avez pas compris l'enseignement. C'est pourquoi, à la fin de cette séquence portant sur la critique des principes de la logique formelle, l'élève de la classe de terminal doit être capable d'expliquer toute la critique des principes de la logique formelle au travers de l'exposé du professeur. Alors. Cela dit, nous allons faire une petite rétrospective, c'est-à-dire revenir en arrière pour examiner ce que nous avons étudié la semaine passée. Plus précisément, la dialectique de la pensée chez Hegel. Alors, chers apprenants, Parlons de la dialectique chez Hegel, ce philosophe idéaliste allemand du 19e siècle. Voici ce que nous avons retenu. Hegel place la dialectique au cœur de sa philosophie. Et il considère la dialectique comme le mouvement de la pensée, la marche de la pensée procédant par contradiction surmontée. Marche de la pensée. Procédons par contradiction surmontée. procédant par contradiction surmontée. Que signifie contradiction surmontée C'est-à-dire, la pensée ne va plus de l'identique à l'identique, elle va plutôt de la thèse à la synthèse, et de celle-ci à l'antithèse. Donc, allons de la thèse à l'antithèse et de celle-ci à la synthèse. Voilà. La thèse et l'antithèse qui sont au départ c'est-à-dire opposés, finissent par se concilier, pour, finissent par se réconcilier au niveau de la synthèse. Et nous avons schématisé cela à partir de l'exemple que Hegel lui-même donne du bouton Le bouton qui disparaît à l'apparition du fruit, non, j'allais dire de la fleur, et la fleur disparaît à son tour à l'apparition du fruit. Donc, le bouton ici, c'est la thèse, l'affirmation. La fleur, l'antithèse ou la négation. Et enfin, le fruit, c'est la synthèse. Autrement dit, le bouton et la fleur se rencontrent. Mais on peut prendre un exemple dans la vie courante pour prouver que Hegel a bel et bien raison. La thèse, c'est l'homme, par exemple. La négation de l'homme, c'est la femme. Donc la femme, c'est l'antithèse. Et la synthèse La synthèse, c'est l'enfant. Vous voyez que dans l'enfant, il y a l'homme et la femme. Chers apprenants. Bien, c'est pour dire que la pensée n'est pas fixe, elle n'est pas stable. Elle évolue dans le temps et dans l'espace. Et cette évolution de la pensée n'est autre que la contradiction qui est au cœur. Et donc, la connaissance scientifique dans la recherche de la vérité, la contradiction est une qualité. Ne disons-nous pas que c'est du choc des idées que jaillit la vérité. Or, le choc des idées ici, c'est l'opposition, la contradiction. Bien, chers apprenants, voici de façon brève ce que nous avons dit. Nous avons étudié sur la dialectique de la pensée avec Hegel. Alors, ce matin, nous allons parler de la critique des principes de la logique formelle. Alors, tous nous savons que la logique formelle a pour initiateur Aristote. Ce philosophe grec, du quatrième siècle avant notre ère. Alors, la logique formelle a des principes considérés comme la condition sine qua non de tout raisonnement correct. Et ces principes sont au nombre de trois. Nous allons les énumérer. Principaux, voilà. De la logique formelle. Nous avons dit, il y a trois principes. Alors, le premier principe, c'est le principe d'identité. Le principe d'identité. Alors, que nous dit le principe d'identité C'est le principe selon lequel tout être est identique à lui-même. Aucun être ne peut changer à son contraire. Et sa formule symbolique est A égale à A. Après le principe d'identité, nous avons le principe de la non contradiction. Bien, que stipule ce principe C'est le principe selon lequel les deux propositions contradictoires si l'une est vraie, l'autre doit être nécessairement fausse. Et inversement, c'est pour autant dire que d'après ce principe, deux proportions contradictoires ne peuvent être soit vraies, soit fausses simultanément, ensemble, non. Et sa formule symbolique est A ou non A. Voilà, ça c'est le signe de la négation. Enfin, le troisième principe et le dernier, c'est le principe du tiers exclu. Le tiers exclu. Alors, regardez bien, quand nous parlons du tiers, nous voyons quel chiffre Le chiffre 3. Et exclu vient du verbe exclure qui veut dire écarter. Donc le chiffre 3 est écarté. Mais en réalité, ce n'est pas 3 en tant que chiffre, mais c'est la troisième possibilité. La troisième solution est écartée, d'où le nom de ce principe. Et en réalité, ce principe, c'est la conséquence directe du principe de non-contradiction. Alors, que dit le principe du tiers exclu Ce principe stipule... De deux propositions contradictoires, si l'une est vraie, l'autre doit être nécessairement fausse et inversement, sans pourtant qu'il y ait de troisième solution possible. Donc la troisième possibilité est écartée et sa formule symbolique est la suivante A ou non A. Alors attention, chers apprenants, la formule symbolique du principe de non-contradiction, c'est A, voilà, A différent de non-A. A différent de non-A. La formule symbolique de la non-contradiction. Alors, A ou non-A, c'est la formule symbolique du principe de tiers exclu. Ne confondez rien. Alors, je prends un exemple pour illustrer le tiers exclu, parce que Aristote lui-même le dit dans la Métaphysique. C'est une erreur grave dans les pièces majeures que le même homme soit à la fois menteur et véridique. C'est pourtant dire que nos discours n'ont que deux valeurs le vrai et le faux. Si le discours n'est pas vrai, donc il traduit le faux. Il n'y a pas des énoncés intermédiaires, l'à à peu près. Non, Aristote dit que c'est faux. Exemple. De 7h à 13h00, vous dites aux parents que vous étiez au lycée de la Révolution et vous avez assisté à tous les cours. Malheureusement, les parents constatent que vous avez un téléphone, un téléphone qui est encore neuf, un téléphone qui n'a pas été utilisé. Donc, vous avez acheté un téléphone et on vous pose la question d'où vient ce téléphone Papa, maman, ce téléphone, je l'ai acheté au marché de Poto Poto à 10 heures. La première proposition dit. Vous êtes au lycée de la Révolution. De 7h à 13h, vous avez assisté à tous les cours. La deuxième proposition vient pour contredire. À 10h, vous êtes au marché de pote et c'est là-bas que vous avez acheté votre téléphone. Vous voyez Aristote dit non, soit vous étiez au lycée de la Révolution et la proposition selon laquelle le téléphone, je l'ai acheté à 10 heures, est faux. Soit vous n'étiez pas au lycée de la Révolution de 7 heures à 13 heures, pour que à 10 heures vous soyez au marché de Potopoto. Donc les deux propositions ne peuvent jamais être vraies ou fausses ensemble. Et donc. La réalité des faits, vous ne pouvez pas être en même temps au lycée de la Révolution et au marché de Potopoto. Voyez, la proposition être en même temps au lycée de la Révolution et au marché de Potopoto, c'est la proposition intermédiaire. C'est la troisième possibilité que Aristote écarte. Ce n'est pas possible. Voilà. Mais cette troisième possibilité finira par devenir euh, lorsque euh, nous allons revenir sur la logique dialectique par la, la synthèse, la troisième possibilité, là où la thèse et l'antithèse se rencontrent. Bien. Pourquoi ce rappel des trois principes de la logique formelle La réponse est claire. Nous ne pouvons pas critiquer ces principes si au départ, nous ne les énumérons pas. Voilà. Alors. Chers apprenants, quelles critiques doit-on adresser à l'égard de la logique formelle, plus précisément de ses principes? Commençons par le principe de l'identité selon lequel tout être est identique à lui-même. Alors, chers apprenants, il suffit seulement d'observer ce qui se passe dans la nature. Vous constaterez avec nous que la vie est essentiellement devenir. Autrement dit, la vie change. Le monde bouge. Quand vous dites, la vie, c'est la vie. La mort, c'est la mort. Ça, c'est l'identité. Donc la mort ne peut jamais donner la vie. La vie ne peut jamais donner la mort. Oui, c'est ce que vous pensez. Et c'est ce qu'a dit Aristote pour justifier le principe de l'identité. Mais lorsque nous regardons, nous observons la nature on constate qu'il y a le changement qui s'opère. donc, chaque chose contient une unité des contraires. chaque chose contient en soi une unité de contraires. donc, dans chaque chose, il y a deux forces qui s'opposent. il y a une force qui tend vers l'affirmation et l'autre vers la, la négation. et en ce moment-là, alors, la chose ne peut plus être identique à elle-même. Donc, il y a la possibilité que la chose connaisse une évolution et un changement. Alors, apparemment, c'est banal, mais je ne vais pas revenir sur le débat entre l'œuf et la poule. Non, pas l'œuf et la poule. Mais parlons seulement de l'œuf, pour comprendre que dans l'œuf, il y a deux forces qui s'opposent. Alors, voici l'œuf. Il y a une force qui renvoie à l'affirmation. Cette force voudrait que le force soit identique à lui-même. La deuxième force tend à la négation. La force qui tend à la négation voudrait que l'œuf change. Alors, pourtant, lorsque vous regardez l'œuf, il connaît une évolution. C'est pour dire que l'œuf, en se développant, il y a en lui des germes qui feraient que l'œuf se transforme en poussin. Ce qui veut dire que la négation a primé sur ou a pris le dessus sur l'affirmation. Voilà pourquoi l'œuf n'est plus identique à lui-même et l'œuf connaît ce changement, cette transformation va devenir un poussin. Donc dans l'œuf, il y a une autre force. Et le poussin devient en quelque sorte l'œuf ou encore la modification de, de l'œuf. La force de la lutte des contraires. Alors, je reviens. Ne perdez pas le fil d'idée. Dans l'œuf, nous avons deux forces. La négation et l'affirmation. Maintenant, l'affirmation voudrait que l'œuf soit égal à œuf. La négation voudrait que l'œuf subisse des transformations. Et quand la négation prend le dessus sur l'affirmation, alors du coup, l'œuf n'est plus identique à lui-même, l'œuf change en poussin. Donc, dans l'œuf, il y a une force qui fait que l'œuf ne demeure pas œuf. Voilà pourquoi Engels dira. Friedrich Engels, à ne pas confondre avec Friedrich Hegel. Alors, qu'est-ce qu'il dit Engels Rien n'est stable. Rien n'est stable, rien ne demeure ce qu'il est. Voilà. Rien n'est stable, rien ne demeure ce qu'il est. C'est pour autant dire que la chose est appelée à évoluer a changé, d'où le principe d'identité n'a plus sa raison d'être. Alors, qu'en est-il du principe de la non-contradiction Nous avons dit en amont que ce principe stipule de deux propositions contradictoires. Si l'une est vraie, l'autre doit être nécessairement fausse et inversement. Alors, quelle est la critique adressé à ce principe. Hegel substitue au principe de non-contradiction, ce principe aristotélicien, le principe de contradiction. Pourquoi Nous l'avons dit au départ, la contradiction est une qualité en science. La vérité étant un processus, il faudrait que le discours épouse des contradictions pour pouvoir atteindre la vérité. Et pour être plus précis, voici ce que Hegel donne comme illustration pour justifier, pour étayer le sens de sa critique. La contradiction est le moteur et la racine de tout mouvement, de toute manifestation vitale. La contradiction est le moteur et la racine de tout mouvement. Et de toute manifestation vitale. Voilà, il y a une partie de la pensée que nous avons enlevée. La contradiction est le moteur de tout mouvement et la racine de toute manifestation vitale. C'est pour dire que le mouvement et toute manifestation que nous constatons aussi bien chez les individus que dans le monde a pour origine la contradiction. Donc sans la contradiction, on parlera de l'immobilité totale. Or, l'immobilité bloque quoi Bloque la vérité, puisqu'elle même est un processus. Et enfin, le principe du tiers exclut. Le principe selon lequel deux propositions contradictoires, l'une vraie, l'autre absolument fausse, inversement, sans pourtant qu'il y ait une troisième solution possible, l'énoncé intermédiaire est écarté là à peu près. Donc, un discours n'a que deux valeurs de vérité. Le vrai et le faux. Si le discours ne traduit pas la vérité, donc il traduit la fausseté. En dehors des deux, il n'y a aucune autre possibilité. Ça c'est Aristote et tout le nom de ce principe. Mais à en croire la logique dialectique, c'est faux. C'est faux. Entre A et non A, il y a la possibilité que nous ayons il y a la possibilité que nous ayons une autre solution. Par exemple, A c'est l'affirmation la thèse. La négation de la thèse donne quoi L'antithèse. Donc non, A. Mais l'antithèse ne reste pas antithèse. Hein? Il y a aussi la possibilité de nier l'antithèse. Et quand on nie l'antithèse, nous aurons quoi La synthèse. Mais c'est quoi la synthèse C'est la conciliation des deux premiers moments, de la thèse et de l'antithèse. Donc la synthèse devient la troisième possibilité, la troisième possibilité, la négation de la négation, ce que Aristote appelait le tiers exclu, mais si nous regardons la logique dialectique, le tiers n'est plus exclu, le tiers est désormais inclus. Alors du coup, nous allons au-delà de la logique bivalente pour parler d'une logique polyvalente. Une logique polyvalente qui a plusieurs valeurs donc en dehors du vrai et du et du faux. Donc l'intermédiaire est là. Alors, je réponds chers apprenants au niveau de la logique au niveau de la critique du principe de tiers exclu, ce que l'on peut retenir L'opposition dialectique entre l'être et le non-être engendre le devenir. L'opposition dialectique entre la thèse et l'antithèse donne la synthèse. Et la synthèse qui n'est autre que la négation de la négation. Autrement dit, la troisième possibilité qui peut traduire la vérité. Alors, du coup, le principe du tiers exclu paraît absurde. Pourquoi Parce qu'il qu ne peut pas garantir la vérité. Puisque la vérité, nous avons dit, dépend de quoi De la contradiction. Alors, chers apprenants, nous sommes arrivés au terme de la première séquence de ce jour. Mais bien avant... Nous aimerions revenir sur tout ce qui vient d'être dit sur la critique des principes de la logique formelle. Alors, nous avons adressé combien de critiques Trois critiques. La première critique, celle qui concerne le principe de l'identité, pour dire que ce principe n'a aucun sens. Chaque chose contient en elle son potentiel contraire. Et il y a deux forces opposées. Au niveau du principe de la non contradiction, nous avons dit que Aristote substitue à ce principe-là, non, j'allais dire, Hegel substitue à ce principe de non contradiction, cher à Aristote, le principe de la contradiction. Pourquoi Parce que la contradiction est le gage de la vérité. Et enfin, le principe du tiers exclu selon les tenants de la logique dialectique quand ce principe n'a aucun sens, ce principe est absurde. Pourquoi Parce que l'opposition entre l'être et le non-être donne le devenir. Autrement dit, quand vous opposez l'antithèse à la thèse, automatiquement vous aurez la synthèse. Et c'est grâce à cette synthèse, grâce à cette contradiction, que l'homme peut aller à la quête de la vérité. Alors. Voici, chers apprenants, un sujet de réflexion. J'espère que vous avez déjà noté. Voici le sujet. Le discours logique. Disqualifie-t-il la contradiction Discours logique disqualifie-t-il la contradiction Alors, partons des deux logiques, la logique formelle et la logique dialectique. J'espère que vous allez énumérer les idées de la thèse et de l'antithèse. Il faut regarder quelle est la logique qui accepte la contradiction et quelle est la logique qui remet en cause. La contradiction pour dire qu'elle évoque le doute. Or, tout discours douté est incertain. Et ce qui est incertain se carte de quoi De la certitude, donc de la vérité. Alors, c'est à vous de regarder, de poser les éléments aussi bien dans la logique formelle que dans la logique dialectique. Alors, chers apprenants, vous êtes tellement nombreux à nous suivre maintenant. Mais au départ, nous avons dit... Que la science d'aujourd'hui aura deux séquences. C'est bien que nous avons fini avec la première séquence et nous allons prendre la deuxième séquence. Mais bien avant, nous allons rire au pluriel ensemble. Pourquoi Parce que vous êtes tellement formidable, parce que vous avez aimé la philosophie et la philosophie elle-même, elle est formidable. Et quand vous suivez la philosophie, vous devenez vous aussi. Formidable. Et surtout que des exercices proposés sont tellement formidables et nous sommes nous sommes conscients que vous allez aussi nous fournir un travail formidable. Alors, chers apprenants, passons à la deuxième séquence. Petit des Dialectique de la réalité. La dialectique de la réalité avec... max bien j'espère que vous avez déjà noté nous allons libérer le milieu pour parler de la dialectique de la réalité avec Carlo Max. Bien, chers amis du savoir, la dialectique de la réalité avec Max. Et à la fin de la deuxième séquence portant sur la dialectique de la réalité. Tout apprenant de la classe 2 terminal doit être en mesure d'expliquer toute la dialectique de la réalité à partir de l'exposé du professeur. Alors je reprends au terme de cette séquence portant sur la dialectique de la réalité, vous apprenant de la classe 2. Terminal devrait être en mesure d'expliquer toute la dialectique de la réalité à partir de l'exposé du professeur. Mais avant de parler de la dialectique de la réalité, nous allons revenir sur la biographie de Karl Marx. On ne peut pas parler de Karl Marx sans connaître un peu sa vie. Alors, c'est un philosophe allemand du 19e siècle et son courant philosophique c'est le matérialisme, matérialisme. Le matérialisme s'oppose à quoi À l'idéalisme. L'idéalisme, le matérialisme, deux doctrines qui s'opposent. Alors, Karl Marx, en passant, était l'élève, le disciple de Hegel. Et Hegel, nous l'avons étudié, était un philosophe idéaliste allemand. Donc, la doctrine de son maître, c'est l'idéalisme. Et à l'idéalisme de son maître, Karl Marx va opposer le matérialisme. Et quand nous parlons du matérialisme, nous voyons quoi Qu'est-ce qu'au cœur du matérialisme, c'est le matériel. Autrement dit, la matière. Bien, la matière, c'est ce qui est palpable, c'est ce qui est quantifiable. Donc, la réalité, le monde. Contrairement à l'idéalisme, et idéalisme, le diminutif de l'idéalisme, c'est quoi C'est l'idée. Et nos idées sont conçues où Dans la pensée. Donc l'idée renvoie à la, à la pensée. Alors par là, on peut donc comprendre l'opposition entre Karl Marx et son maître. Hegel chez son maître, la dialectique s'applique à quoi La dialectique s'applique à la pensée, la pensée qui est le demi-urge, la pensée qui commande la réalité à la réalité. Alors, Karl Marx va remplacer la pensée par quoi Par la réalité. Vous voyez, la hiérarchie est inversée. Là où Hegel a placé la pensée, Karl Marx viendra pour placer quoi la réalité c'est pour autant dire que Karl Marx est d'accord avec son maître Hegel pour avoir substitué à la logique formelle la logique dialectique basée sur la contradiction il est d'accord avec Hegel quand il parle de la dialectique mais il y a un point un point qui le fait démarquer de son maître, c'est quand il dit que la dialectique ne doit plus s'appliquer à l'idée désormais, elle doit s'accorder à la réalité. Pourquoi Parce que Karl Marx regarde l'évolution du monde en observant le monde et constate que tout bouge, tout se coule, rien n'est stable. Et la dialectique doit être expliquée par rapport à ce que nous voyons dans la nature, par rapport à ce que nous voyons dans la société. Et pour illustrer sa pensée, voici ce que Karl Marx dit. Ma méthode. Ma méthode dialectique. non seulement diffère non seulement diffère de la méthode hegelienne non seulement diffère de la méthode hegelienne, mais elle en est l'exactant opposé. Mais elle en est l'exactant opposé. Pour Hegel, Le mouvement de la pensée. Le mouvement de la pensée. Qu'il personnifie sous le nom de l'idée. Qu'il personnifie sous le nom de l'idée est le demiurge est le demi de la réalité. Et le démise de la réalité, laquelle n'est que la forme phénoménale de l'idée. la forme phénoménale de l'idée. Pour moi, au contraire, Pour moi, au contraire, le mouvement de la pensée, le mouvement de la pensée n'est que la réflexion du mouvement réel. Du mouvement réel. Transporter et transposé dans le cerveau humain. Voilà le titre de l'ouvrage. Le capital, plus précisément le livre 1. Nous allons reprendre la lecture de cette pensée, une longue pensée. Alors, chers apprenants, suivez attentivement. Ma méthode dialectique, non seulement diffère de la méthode hegelienne, mais elle en est l'exact opposé. Pour Hegel, le mouvement de la pensée qu'il personnifie sous le nom de l'idée est le démiurge de la réalité, laquelle n'est que la forme phénoménale de l'idée. Pour moi, au contraire, le mouvement de la pensée n'est que la réflexion du mouvement réel transporté et transposé dans le cerveau humain. Alors, il y a combien de dialectiques ici, combien de méthodes Deux méthodes. La première méthode est celle de Hegel et la seconde, la méthode de Karl Marx. Et Karl Marx a commencé par expliciter, par exposer la dialectique de son maître Hegel. Alors, comment Hegel conçoit-il la dialectique, j'allais dire, conçoit-il la pensée ou l'idée La pensée ici est le démiurge. Le démurge de la réalité. Le démurge ici, c'est ce qui crée. Donc c'est la pensée, c'est l'idée qui crée quoi Qui crée la réalité. Et le mouvement de la pensée coïncide à celui de la réalité. Et donc Hegel a concilié, comme nous l'avons dit précédemment, a concilié le ciel. Et là, la terre. donc c'est le ciel qui crée quoi? qui crée la terre? le ciel, l'idée, la pensée, l'être suprême. et la terre, c'est la réalité, le monde tel qu'il fonctionne, tel qu'il existe. donc ce que le mouvement, le mouvement que nous voyons dans la nature, le mouvement que nous voyons dans la société, n'est autre que le reflet du mouvement existant dans l'au-delà au niveau de la pensée, au niveau de l'intellect. alors, Karl Marx dit pour moi donc pour lui au contraire à contrario le mouvement de la pensée n'est que la réflexion du mouvement réel ça veut dire quoi la pensée ne fait que refléter la la réalité autrement dit sans l'objet on ne peut pas voir des pensées nos pensées viennent de quoi viennent de ce que nous voyons comme le réel est mouvant la pensée aussi doit être mouvante comme pour dire que Karl Marx en prenant la réalité en lieu et place de la pensée, il a redressé, il a redressé la dialectique de son maître Hegel, qui d'après lui marchait la tête en bas et les pieds en l'air. Voilà. Voici comment Marx représente la dialectique hegelienne. Voilà. La tête en bas, les pieds en l'air. Pourquoi Parce que Hegel a placé la pensée au centre du mouvement. Ce qui est faux. Karl Marx dit non, il faut redresser cette dialectique, il faut la remettre sur un pied. C'est-à-dire que la tête devienne en l'air et les pieds en bas, voilà. L'individu marche comme ça et non la tête en bas. Donc Hegel s'est trompé. Voilà pourquoi l'idéalisme sera l'idéalisme hegelien sera substitué par le matérialisme dialectique de Hegel, de Karl Marx. Bien, chers apprenants. Pour récapituler. Karl Marx n'a fait que suivre les traces de son maître Hegel en héritant les thèses de son maître. Pour parler de la dialectique qui procède par des bons, autrement dit des sauts à trois phases la thèse, l'antithèse et la synthèse. Mais seulement il s'écarte, se il se loigne de son maître. Par le simple fait que Hegel a appliqué la dialectique à la pensée. Or lui, il voudrait, en bon matérialiste, il voudrait que la dialectique soit accordée, soit appliquée à la réalité. Voilà pourquoi il considère, il qualifie la dialectique de son maître de renversé, qu'il faut absolument remettre sur les pieds, qu'il faut absolument redresser. Et c'est le schéma que nous venons de faire. La tête en bas, le symbole de la dialectique de Hegel. Et quand on redresse, la tête en l'air, la dialectique de Karl Marx. Bien. Que la dialectique s'applique à l'idée, que la dialectique s'applique à la réalité, ce qu'il faut noter, c'est que la logique dialectique met en avant la contradiction, le mouvement et le changement. Alors, chers apprenants, je reviens sur notre sujet de réflexion. Et c'est le même sujet. Le discours logique disqualifie-t-il la contradiction Le discours logique disqualifie-t-il la contradiction Chers apprenants, je ne saurais vous prendre congé sans pourtant parler. Sans pourtant vous annoncer ce que nous allons étudier après la séance d'aujourd'hui. Et au début de notre chapitre, nous avons dit qu'il y a trois notions à étudier. Là, nous venons de boucler notre voyage sur la logique. Et prochainement, nous allons entamer la deuxième notion qui n'est autre que la connaissance. Voilà, la connaissance. et nous allons définir la connaissance. Bien, chers apprenants, comme je vous l'ai dit, nous sommes au terme de la science de ce jour. Rendez-vous la semaine prochaine pour parler de la connaissance, plus précisément de ça. Définition. Au revoir.